Nous célébrons ces jours-ci, chers téléspectateurs, le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, un événement qui a constitué vraiment un tournant majeur dans notre histoire contemporaine. Et pour cette raison, j'ai invité Marc Geoffroy, qui vient de publier aux éditions Diffusia un ouvrage intitulé « Le mur de Berlin, histoire et chute ». Et nous allons donc parler de cette question. Nous allons évoquer cet épisode qui a profondément marqué les esprits il y a maintenant 30 ans. Alors Marc Geoffroy est un chef d'entreprise, il s'occupe de produire des CD éducatifs et son intérêt pour l'Allemagne l'a conduit tout naturellement à nous proposer, à l'occasion de l'anniversaire que j'évoquais, ce mur de Berlin. Alors Berlin, c'est évidemment une très longue histoire. Nous savons comment s'est terminé au printemps de 1945 le Troisième Reich hitlérien. Berlin, à ce moment-là, se trouve dans une situation catastrophique. On a parlé d'Allemagne année zéro, mais Berlin, c'est peut-être encore pire. Du fait des 400 raids de bombardement, du fait des combats qui ont eu lieu au début de 1945. Bonsoir. En fait, j'ai voulu écrire cet ouvrage tout simplement parce que, comme vous le dites, Berlin, c'est pas le début, c'est l'année 0 1945, mais bien entendu, en amont, il y a toute une histoire qui démarre en 1237, hein, c'est la date de création de Berlin. Et effectivement, vous soulignez, 45, c'est vraiment l'année 0, parce que la ville est détruite à, je crois, 40 ou 50%, toutes les infrastructures. Et ensuite, après, une partie des infrastructures seront démontées, oui, pour réparation de guerre au profit, entre autres, des Soviétiques. Par les Soviétiques, effectivement. Les Occidentaux arrêteront rapidement tout ce processus parce qu'ils veulent évidemment associer l'Allemagne de l'Ouest à la construction du bloc occidental qui est en train de se mettre en place à la faveur de la guerre froide. Oui, bien sûr, ils arriveront à l'arrêter, mais j'allais dire uniquement dans la zone ouest, parce que dans la zone est, c'est malheureusement, ça continuera. Alors, qu'en est-il justement de ces diverses zones? Quelles ont été les décisions des alliés vis-à-vis de l'Allemagne et de Berlin à l'issue de la guerre? Alors, avant l'issue de la guerre, d'ailleurs, il faut remonter à la conférence de Téhéran en 1943 pour savoir un peu quelle allait être la politique mise en œuvre. Comment les choses se sont-elles passées de ce point de vue? En fait, tout s'est décidé à la conférence de Yalta, donc en février 1945, où les Alliés ont décidé de partager l'Allemagne en quatre zones, donc une pour l'URSS, l'autre pour les États-Unis, l'Angleterre. Et puis finalement, on associe la France, au dernier moment, parce qu'en fait, Winston Churchill ne voulait pas être tout seul par rapport à ces deux grosses puissances. Le seul Européen, complètement, le seul Européen concerné. Et d'ailleurs, qui démissionnera quelques mois plus tard. Au moment de la conférence de Potsdam, puisqu'il sera battu contre toute attente d'ailleurs, lors des élections qui auront lieu à ce moment-là en Grande-Bretagne. Alors, la ville est donc partagée en fait en quatre zones, mais très vite, ces quatre zones, de fait, vont devenir deux zones. Puisqu'il y a les trois zones occidentales qui sont évidemment distinctes de la zone soviétique. Mais Berlin a un statut particulier, hein, dans le contexte général de l'après-guerre. Oui, bien sûr, parce qu'il faut remettre le contexte en place, c'est que Berlin, en fait, Berlin est au cœur de la partie est de l'Allemagne, donc administrée par les Soviétiques, et donc il y a quelques corridors mis en place pour pouvoir alimenter, Berlin dans sa globalité, mais en fait Berlin-Ouest est très vite Berlin-Est, oui, est très vite autonome par rapport au reste de la ville. Et alors, cette ville, cette ancienne capitale qui a connu les épreuves donc,
que nous avons évoquée. Elle est occupée donc par les quatre puissances victorieuses au lendemain de la guerre, et ensuite les choses vont évoluer assez rapidement avec la montée en puissance de la guerre froide, avec en 1948-49 un premier épisode majeur dans l'histoire de Berlin. Oui, en fait, c'est le 24. En fait, il y a plusieurs éléments qui aboutissent à ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Mmh. En fait, les soviétiques, le 24 mai 1948, mmh. bloquent complètement l'accès à Berlin. Et en riposte, parce que bah, il faut que les habitants vivent, hein, mmh. et que la vie continue. Les habitants de Berlin-Ouest. Mmh. Tout à fait. Et donc, en un temps record, les Alliés décident de mettre en place un pont aérien. Oui. Alors, c'est des chiffres ouais. extraordinaires, parce que c'est 300 000 rotations d'avions pendant quasiment un an. Un an, ouais. Et puis, bah, finalement les Alliés tiennent bon avec ce pont aérien. Mmh. Et finalement, les Russes abandonnent le blocus quasiment un an plus tard. Au bout d'un an, ça a quand même duré très longtemps. Ouais. Il a fallu alimenter la population de Berlin-Ouest, il a fallu amener des moyens de chauffage, même pendant l'hiver, par voie aérienne. Oui, tout, enfin, tout. Tout à fait extraordinaire. Ça a été un épisode majeur, évidemment, des débuts de la guerre froide, et ça a manifesté la volonté du président américain Truman de ne rien céder aux soviétiques au moment où était en train de se mettre en place tout le glacis soviétique d'Europe orientale avec les démocraties populaires qui s'installent. Ça a été un tournant, sans aucun doute, de la guerre froide, ce pont aérien de 1949. Après, les choses vont être gelées, d'autant que l'URSS dispose à partir de l'automne de l'arme nucléaire à son tour. – Alors, les choses vont être gelées, mais en fait, il y a aussi un élément important, c'est en 1953, pour oui. être exact, mm-hmm. le 5 mars, c'est la mort de Staline. Oui. Alors qu'il était prévu que Berlin soit, que ce mur de Berlin qui a été construit finalement en 1961, mm-hmm. il était prévu dès 1952, parce que mm-hmm. en fait, un mur similaire existe et il est mis en place par les autorités est-allemandes tout le long de la frontière entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire 1400 kilomètres. Donc déjà, en 1952… – C'est le fameux rideau de fer dont parlait Churchill. – Alors le rideau de fer, c'est encore plus… Si vous voulez, le rideau de fer, c'est en fait une séparation qui part de… ce que dit d'ailleurs Churchill dans sa conférence de Futon, mm-hmm. il parle d'un rideau de fer qui va de Stettin, c'est-à-dire sur la Baltique, jusqu'à Trieste, dans la mer Adriatique. Oui. Donc ça, c'est le rideau de fer qui fait plus de 8000 kilomètres. Oui. Mais il y a aussi, en parallèle, un mur de séparation qui est mis en place dès 1952 et qui sépare sur 1400 kilomètres les deux parties de l'Allemagne. Sur la frontière inter-allemande. Complètement. Pour stopper aussi les départs vers l'Ouest qui ont été considérables au début. Oui, au début et même dans la globalité, parce qu'entre 1949 et 1961, donc date de la chute de la construction du mur, on estime à peu près 3 millions voilà. de personnes. Et ce qui était intéressant à souligner, c'est que parmi ces 3 millions de personnes, ce sont surtout une majorité de moins 25 ans, oui, t'es jeune, mais aussi d'une population active. C'est-à-dire que le patron d'usine, le lundi, il ne sait pas s'il va avoir tous ses ouvriers, tous ses techniciens, tous ses cadres. Oui. Donc, crée une situation évidemment délicate pour les débuts de la République démocratique allemande, puisqu'il faut le rappeler, à l'automne 1949, on a vu la création à partir des trois zones occidentales de la République fédérale allemande, moyennant quoi, en réponse à cette initiative occidentale, Staline va encourager la création bien sûr de la République démocratique allemande, qui est un nouvel État communiste qui vient s'installer dans le bloc des démocraties populaires mises en place en Europe de l'Est. Et alors cette République démocratique allemande qui s'installe,
occidentale, elle va se trouver confrontée aussi à un événement dramatique en juin 1953, qu'on a bien oublié aujourd'hui, si ce n'est en Allemagne, je crois, où il est toujours commémoré. C'est la révolte de Berlin-Est contre les soviétiques. Oui, en fait, cette révolte, elle part de la construction de bâtiments sur la fameuse Staline Avenue, qui est la grande avenue de, enfin, qui va être la grande avenue de Berlin-Est. Et en fait, Ulbricht, qui est le patron de la RDA, dit tout simplement à ces ouvriers-là, mais aussi à l'ensemble du peuple, bah, maintenant il faut travailler plus, mais pas pour gagner plus, comme dirait l'autre, mais pour le même salaire. Ouais. Donc il y a une révolte qui démarre le 16 juin, et puis bien entendu qui est très vite réprimée le lendemain, grâce entre autres à l'intervention des chars russes. Réprimée par les chars soviétiques. Et pourquoi vous parliez cette date a été commémorée longtemps, parce qu'en fait à partir de ces événements, le 17 juin a été la fête nationale de l'Allemagne fédérale. C'est ça. Et il faut dire, vous dites, ce sont les soviétiques qui brisent l'insurrection, mais il faut rappeler qu'à cette date, l'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande, n'a pas encore véritablement d'armée. Elle sera réarmée ultérieurement en réponse aussi à la création de la Bundeswehr dans le camp occidental, et l'armée est-allemande sera intégrée évidemment à la nationale Volksarmee, sera intégrée au pacte de Varsovie. Merci, oui. Alors la situation de Berlin, donc quand on va arriver au début des années 60, elle est caractérisée par cette division donc globale en deux parties. Ouest et Est, deux parties qui se font face, mais dans Berlin, on peut circuler à cette époque-là librement entre les deux zones. Ce qui n'est pas possible sur la frontière inter-allemande entre RDA et RFA, mais dans Berlin, on peut encore passer à l'ouest en venant de la zone orientale. Oui, il y a quand même quelques points de contrôle, parce qu'en fait, il y a, je crois qu'on avait dénombré à peu près 200 rues qui communiquaient entre la partie ouest et la partie est. Oui. Donc jusqu'au 12 août 1961, on peut circuler plus ou moins librement, à part quelques petits contrôles, mais qui aussi ont un but, c'est d'empêcher le marché noir. Oui, c'est ça. Il y a cette raison-là, évidemment. Mais alors, quelles sont les raisons qui vont pousser les soviétiques et leurs amis est-allemands, la RDA communiste, à décider la construction du mur, précisément, parce que ça va marquer la montée d'un degré supplémentaire en tension dans la confrontation entre les deux blocs, cette affaire-là. – Oui, mais encore une fois, tous les mois, la RDA perd de ses habitants, et encore une fois, les fameux forces vives, les moins de 25 ans, tous ceux qui ont une utilité, donc à un moment donné, et là aussi, par rapport ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait la décision de construire le mur était prise dès 1952. Et encore une fois, c'est la mort de Staline qui a refroidi les ardeurs. Qui a calmé le jeu. Voilà. Il y a eu une période de flottement, d'ouverture en URSS, qui a entraîné d'ailleurs des événements en Pologne, également l'insurrection de juin 1953. Oui, de Budapest, et puis Budapest en 1956. Et puis après, on va évidemment serrer la vis pour reprendre en main la situation, et on ne parle pas encore de souveraineté limitée comme on le fera en 68 en Tchécoslovaquie, mais de fait les choses sont déjà établies. Oui, en fait ce sont davantage les autorités est-allemandes sous la houlette de Walter Ulbricht, qui est vraiment, en plus, il faut le souligner, il fait partie de la nomenclatura, très jeune communiste, ayant à l'image de Maurice Thorez, s'étant réfugié en 1940 à Moscou. Oui. Ce sont vraiment des dogmatiques. Oui. Et puis se rencontre encore une fois. Bah voilà, c'est que économiquement, on ne peut pas tenir. Et puis il y a un argument aussi, je crois, qui est avancé à l'époque, c'est que beaucoup de jeunes Allemands de l'Est, faisant des études, ayant vocation à devenir des cadres dans divers domaines,
une fois diplômé, fuyait à l'ouest où les attendait une situation préférable sur le plan matériel. Et là, il y avait, comme vous le disiez, une espèce d'hémorragie continue qui n'était pas supportable à terme pour la RDA. En fait, il faut la population qui s'est expatriée, qui s'est enfuie, c'est 3 millions. Et la population de la RDA, à l'époque, c'est 18 millions d'habitants. C'est ça. Donc, il y a le ratio, c'est quasiment 20% de la population. C'est énorme. C'est comme si la France, actuellement, voyait partir 10%, 10 millions de 10 millions d'habitants. Oui, encore une fois, des forces vives. Oui. Alors, actuellement, elle va plutôt arriver du monde. C'est une autre histoire. Bon, c'est une autre affaire. C'est pas le même contexte. Hein. Bon. Et alors, donc, en août 61, on va ériger ce fameux mur à la surprise des Occidentaux, quand même. Autant que je me souviennent de cette époque. Oui, parce que cette opération… – C'était un peu inattendu quand même. Tout à fait, en fait c'est l'opération Muraille de Chine, une allusion tout à fait intéressante. C'est dans le plus grand secret, parce que comme j'explique dans le livre, même les communications entre les autorités est-allemandes et les autorités soviétiques se font, j'allais dire, quasiment de main à la main. Bon, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais même, il n'y a pas de communication téléphonique, c'est vraiment… Voilà, – pour éviter toute interception, fournissant du renseignement aux Occidentaux. – Oui, bien sûr, mais on peut imaginer que tout n'est pas tout à fait opaque et il y a eu quelques informations. Mais en même temps, et là aussi je le dis dans le livre, c'est que finalement cette histoire de mur a rongé tout le monde, y compris les Occidentaux, y compris Kennedy et y compris De Gaulle, parce que 61, 40, 45, c'est finalement 15 ans de différence et les esprits n'étaient pas mûrs pour qu'il y ait une réunification, pour que… Et on était au lendemain de la guerre, donc c'était le contexte. Donc finalement, ce mur arrange tout le monde. – Oui, alors même si Kennedy vient proclamer « je suis un Berlinois ». – Oui, deux ans plus tard. même si on met en avant ce mur comme symbole, en quelque sorte, d'une Europe de l'Est communiste totalitaire, les puissances occidentales s'accommodent de l'affaire. – Complètement. – D'autant que l'équilibre nucléaire, l'équilibre stratégique entre les deux blocs, garantit en quelque sorte une stabilité finalement souhaitée par tout le monde. Complètement, complètement. Donc voilà, ce mur, pour répondre à votre précédente question, a été construit dans le plus grand secret, mais en fait, les seules personnes ennuyées par ce mur, c'était les Berlinois, parce que du jour au lendemain, vous imaginez, ce sont des familles entières qui sont coupées les unes des autres. Alors, dans un premier temps, ils peuvent se voir entre les… Parce que finalement, le mur, c'est quoi? Au début, c'est pas vraiment un mur physique, ce sont des barbelés. Alors, petit à petit, dans des endroits stratégiques, on enlève les barbelés et puis on construit un mur d'1m40, 1m50. On le surmonte de barbelés. Ouais. Et donc, en fait, les familles peuvent se voir encore à travers cette séparation. Et puis, petit à petit, il y a vraiment le mur qu'on connaît, qu'on a connu jusqu'à 1989, qui monte petit à petit. On arrivera à un mur qui a 3 mètres de haut. Parce qu'en fait, ce n'est pas un mur de Berlin, ce sont deux murs, l'un sur la partie est et l'un sur la partie ouest, et au milieu, je le décris dans le livre, c'est toute une série de barbelés, de fossés antichars, il y a tout un panel de moyens de séparation. Complètement. Et alors ce mur, il va rester en place pendant 28 ans, donc jusqu'en 1989. Des Allemands de l'Est vont chercher par tous les moyens à le franchir. Qu'en est-il de ces tentatives? Combien de gens vont réussir à le franchir? Ils prennent à ce moment-là des risques évidemment considérables. Et combien de victimes à l'issue? En fait, on estime que à peu près 5000 personnes ont réussi à franchir les murs. Malheureusement, 500 sont décédés. 500. Et puis
puis bien entendu, statistiquement, on ne peut pas, parce que c'est quelque chose de très secret, on ne peut pas savoir combien il y a eu de tentatives. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup aussi de tentatives qui malheureusement ont échoué, parce que quand on voit le dispositif, c'était pas évident de franchir tous ces… Alors, les gens, pour réussir à le franchir, s'y prenaient comment ? Ils creusaient des tunnels ? Il y a eu toutes sortes, en fait, il y a eu beaucoup d'imagination, hein, parce que face à la répression, à un moment donné, il faut faire aussi preuve d'intelligence et trouver des idées. Et il y a effectivement des idées. Alors on construit des tunnels. Au début, on arrive à franchir avec des véhicules renforcés les murs qui sont encore pas très épais. Alors, il y a même une histoire qui est très amusante parce qu'elle finit bien. C'est l'Allemand de non, en fait c'est un Autrichien qui est amoureux d'une jeune berlinoise de l'Est. Et donc qui arrive à dénicher une voiture, et en fait une voiture qui arrive à passer sous les barrières. Sous les barbelés. Sous les barrières carrément. Ah oui. Et donc il arrive à arracher sa dulcinée, et en même temps il embarque la belle-mère. Tant que faire. Et donc il y a aussi des évasions en montgolfière. Il y a aussi une valise qui est coupée en deux. Qui semble être coupée en deux, mais finalement c'est deux valises qui sont collées l'une à l'autre, et ça permet de mettre une dame dans la valise. Donc voilà, je l'énumère parce que voilà, il y a eu aussi des personnes qui ont trouvé des solutions. Parce que par ailleurs, la frontière inter-allemande, elle était tout à fait hermétique, avec barbelés, champs de mines, miradors, elle était gardée militairement. Finalement, c'était plus facile de passer à Berlin que par la frontière inter-allemande. Non, je crois que le mur de Berlin en lui-même était vraiment on peut dire que c'était un laboratoire de ce que pouvaient imaginer les autorités est-allemandes, et il est évident que symboliquement il était encore plus important de séparer Berlin. Mais on peut imaginer aussi que encore une fois la séparation entre l'Est et l'Ouest date de 52, et donc on peut imaginer qu'elle a aussi eu des efforts des autorités est-allemandes pour développer le process. Une barrière hermétique. Complètement, oui. Complètement. Mais ce mur, contre toute attente, parce qu'on appartient à une génération qui se souvient de sa construction, et puis il nous a accompagnés donc pendant 28 ans. Et j'avoue que quelques années avant sa chute, personne n'imaginait un scénario de ce genre. Quelles ont été les étapes finalement qui ont conduit à son démantèlement ? Je crois que la première grande étape, en fait, c'est l'arrivée de Gorbatchev pouvoir en 1985. C'est le rôle de Gorbatchev, oui. Tout simplement parce qu'il se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme ça, enfin que l'URSS ne peut pas continuer comme ça. Le budget de l'URSS, c'est 16% du budget donc consacré aux dépenses militaires, alors que dans le camp d'en face, aux États-Unis, c'est 6%. C'est une économie moribonde. Avec un PIB qui n'est pas le même, bien en entendu. Plus. Avec une économie moribonde, avec un système qui périclite de tous les côtés. Donc en fait, Gorbatchev très tôt, Gorbatchev c'est la perestroïka et puis la glasnost, donc la transparence, oui, plus ou moins. Et en fait il y a cette donc dès 85, et puis petit à petit on sent que ça ne va pas tenir, parce que même l'économie qui était pourtant présentée en modèle, l'économie est-allemande, oui, mais avec des chiffres la RDA était présentée comme le cas de figure tout à fait positif des expériences socialiste. Oui, mais avec des chiffres truqués. Avec des chiffres truqués, comme en URSS, évidemment. Donc en fait, on se rend compte, il y a toute une évolution qui nous font arriver en 1989. Et 89, c'est aussi la destruction de la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. C'est ça. Ce sont les premières élections libres en Pologne. C'est l'élément déclencheur, là. Donc il y a toute une continuité qui nous font arriver au premier jour du mois de
de septembre, ouais, où là, il commence à y avoir des manifestations importantes, mmh, dont les fameuses manifestations du lundi, la plus importante étant celle du 30 octobre. Et vraiment, on voit que chaque, oui, jour, il y a… Oui. Alors, qui prend l'initiative, alors, d'attaquer le mur pour le détruire là, c'est quelque chose de spontané et avec une troupe de maintien de l'ordre qui reste passive. En fait, au départ, il y a une maladresse du porte-parole Günther Schabowski qui était, mmh, qui en fait doit annoncer des informations comme quoi les Allemands de l'Est les Berlinois de l'Est peuvent aller à l'Ouest, mmh, mais alors il faut le passeport, mmh, c'est-à-dire 20% de la population en a seulement. Mmh. Finalement, l'information, elle ne doit être divulguée que le lendemain parce que rien n'est prêt et malheureusement, Schabowski n'a pas assisté aux réunions du Politburo où tout est expliqué. Il prend l'affaire en cours et à une conférence de presse qui a lieu à 18h, il explique que finalement maintenant tout le monde peut. Et un journaliste lui dit oui, tout le monde peut, mais quand? Et Schabowski, il regarde ses notes, mais finalement il ne le sait pas, mais il dit maintenant. Et après, oui, bon, de fil en aiguille, on arrive à 23h37, où c'est là où il y a une foule énorme, et puis qui va s'attaquer physiquement au mur à ce moment-là. Oui, après bon, toutes les images, les images que l'on a encore à l'esprit, les Berlinois qui s'attaquent au mur avec des instruments dérisoires, mmh, avec des piolets, ouais. Et bon, finalement, il est très vite décidé que ce mur doit être un souvenir, et en fait, ça va très vite après. Oui. Ça va très vite parce qu'entre le 9 novembre 1989 et la réunification de l'Allemagne le 3 octobre 1990, finalement, il y a 11 mois. Oui. Et tout se fait très vite. Et puis, ça se passe finalement en douceur. Oui, bien ce sûr. Qui pouvait paraître surprenant à l'époque. Oui et non, à l'époque, oui, mais en fait, Gorbatchev, si vous permettez, ouais, ce jeu de mots, Gorbatchev avait d'autres datchas à fouetter, mmh, et donc finalement il laisse faire, mmh, il envoie même un télégramme de félicitations à Egon Krenz qui a remplacé Honecker. Il ne veut pas l'épreuve de force, évidemment. Non, puis il n'en a pas les moyens. Oui. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Pour ces éclairages concernant cette histoire du mur de Berlin dont nous allons entendre parler sans doute, ouais, dans les semaines qui viennent à la faveur de ce 30e anniversaire. Merci. Merci. J'ai le grand plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Guillaume Fiquet pour la publication d'une nouvelle revue d'histoire, la revue d'histoire européenne, qui va venir combler un certain vide, puisque à la fin de 2017, la nouvelle revue d'histoire avait dû cesser sa parution, et cette nouvelle production devrait satisfaire les amateurs d'histoire, et en particulier ceux qui ne se satisfont pas d'une certaine lecture du passé et qui ne sont pas dupes de l'instrumentalisation de celui-ci par certains idéologues. Alors, Guillaume Fiquet, pourquoi vous lancer dans cette aventure? Parce que c'est pas une affaire gagnée d'avance. Hein. C'est pas une affaire gagnée d'avance. La presse magazine, en général, souffre beaucoup sur le plan commercial. On assiste à un effondrement du nombre des points de vente. Il y a quand même une certaine concurrence qui demeure. C'est un bel acte de foi que de se lancer dans la production d'un nouveau magazine historique intitulé donc Revue d'Histoire Européenne. Alors pourquoi ce titre d'abord? Écoutez, alors il y avait deux solutions, soit il fallait trouver un titre très très générique, mmh, parlant d'histoire et abordant tous les continents, mmh, et puis nous le savons que l'histoire européenne est suffisamment riche finalement, mmh, pour alimenter les 80 pages de ce trimestriel, ouais, et puis la civilisation finalement européenne ayant
déborder un peu partout dans le monde. On va pouvoir la suivre si besoin est, à travers les cinq continents. J'imagine que ça vous arrivera d'évoquer évidemment ce qui est l'histoire des États-Unis, voire l'histoire ancienne. L'histoire du Canada, les colonisations. De civilisation étrangère au monde européen. Enfin, il y a peut-être juste l'Australie qui échappera à notre revue d'histoire vigilance. Européenne. Je crois cependant déceler dans ce titre une préoccupation identitaire qui va vous rendre suspecte à certains. Écoutez, nous verrons bien. Le sujet, si vous voulez, c'est de ne pas tomber dans les travers de la presse magazine Histoire que l'on peut lire aujourd'hui, qui est de nous montrer une histoire européenne complètement déstructurée, nous faire croire que finalement l'histoire européenne n'existe pas et qu'il n'y a qu'une histoire mondiale. Oui, et puis alors ce que vous dites à propos de l'histoire européenne, ça vaut aussi pour le fameux roman national stigmatisé par certains. Alors le roman national est stigmatisé au profit aujourd'hui de l'histoire globale. Nous allons essayer, si vous voulez, alors le roman national peut être parfois un peu trop réducteur. Oui, bah bien sûr. Mais c'est la base. Nous allons essayer de trouver une troisième voie, si vous voulez, entre ce roman national, en essayant donc de ne pas voir l'histoire par le petit bout de la lorgnette, et puis l'histoire globale. Ce roman national, il est nécessaire aussi à la construction d'une mémoire nationale. Exactement. Et c'est donc un élément décisif dans la définition de l'identité, question ô combien essentielle aujourd'hui, bien sûr. Exactement. Alors, cette revue d'histoire européenne, quelques points de technique d'abord. Vous m'avez dit, je crois que c'est un trimestriel. Alors, c'est un trimestriel pour le moment, nous espérons. Si le succès est au rendez-vous, nous verrons un peu plus tard. Nos auditeurs sont prévenus. Si vous voulez que ça, devienne trimestriel, il faut acheter la revue d'histoire européenne. Donc, c'est que l'on trouve en kiosque. En kiosque, vous trouverez dans toutes les bonnes. Les maisons de la presse. Même si le nombre diminue, mais évidemment, la solution de l'abonnement, c'est la solution la meilleure, bien sûr. De facilité. Car pour une production de ce genre, eh bien, c'est la garantie d'une stabilité financière. Voilà. C'est ça. Donc, alors, un trimestriel, la pagination. 80 pages. 80 pages, oui. Dans quel état d'esprit avez-vous conçu la maquette ? Alors, si vous voulez, nous avons voulu une maquette assez sobre, avec beaucoup de textes. Beaucoup de textes, laissant une part à l'iconographie qui me paraît raisonnable. L'iconographie, vous avez également un dossier entièrement photo, qui là, lui fait vraiment place à la... Un grand cahier photo. Un grand cahier, un portfolio. Centre, si vous voulez, nous n'avons pas voulu tomber dans le travers de la presse, je dirais, très grand public, la presse d'histoire avec... Aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins de textes. Il faut que ça soit très rapide à lire, il faut que ça soit juste photographié. Ça zappe un maximum. C'est pas le cas de la revue de l'histoire européenne. Donc voilà, donc c'est une maquette que je qualifierais de tout à fait classique. Si vous voulez. D'accord. Et elle est organisée autour. Enfin, on parlera peut-être du sommaire un peu plus complètement. Elle est organisée autour d'un dossier central, avec un thème de central, et autour de ce dossier, des rubriques récurrentes que je vous présenterai tout à l'heure, et puis trois ou quatre articles, sur des sujets divers et variés. Oui. Alors, le prix de cette... Le prix est de 7,90 €. Oui, c'est le prix du marché pour ce genre de... prix raisonnable, il me semble. Voilà, pour ce genre de et si vous, produit. Revanche, si vous vous abonnez, je regarde l'abonnement pour 4 numéros et de 29 €. Voilà, donc vous gagnerez quelques euros en quelques vous abonnant, d'euros. Et en plus vous rendrez service à cette publication et contribuerez à sa nécessaire pérennité. Vous nous avez dit, chaque numéro comportera un dossier, et vous avez retenu comme sujet de dossier pour ce numéro 1,
les commémorations du 30e anniversaire vous y invitaient naturellement. La chute du mur de Berlin, survenue donc en novembre 1989. Alors ce dossier est tout à fait conséquent, avec plusieurs articles, porteurs de vues très originales, souvent d'ailleurs. J'ai remarqué la présence de certains auteurs. Oui, des auteurs de renom qui sont des spécialistes de l'Allemagne. Des collaborateurs de la Nouvelle Revue d'Histoire. Exactement. Naguère, hein, je pense notamment à David Tarot et puis à Thierry Buron. Et puis également, vous avez un texte, je le signale, à titre posthume, si l'on peut dire, de François-Georges Dreyfus. Oui, un article très intéressant qui a été un grand spécialiste de l'Allemagne, hein, auteur d'une thèse sur les Lumières à Mayence au XVIIIe siècle, et qui ensuite nous a donné de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de l'Allemagne, que finalement la division de ces deux États allemands, même si elle était due au hasard armes, recouvre une véritable réalité historique, sociale et religieuse. Ce qui peut nous éclairer aussi sur les réalités de l'Allemagne réunifiée d'aujourd'hui, notamment sur le contraste que certains relèvent en matière électorale entre les anciens de l'Est et ceux de la République fédérale de 1949. Alors, ce dossier, vous l'avez conçu dans quel esprit? Car quand on retient l'idée d'un dossier… Il est évident, oui, lorsqu'on a l'idée d'un dossier, on se dit… Ce n'est jamais, jamais facile. Complètement neutre. Et aussi, vous avez… Et ce n'est pas forcément exhaustif. Vous avez cherché à montrer un certain nombre de choses, à mettre en lumière un certain nombre de tendances lourdes, à porter un regard nouveau, original sur les événements en question. Quels ont été un petit peu les fils conducteurs de votre démarche? Les axes, si vous voulez, parce qu'effectivement, lorsqu'on fait un dossier, on ne peut pas être exhaustif. Non, bien sûr, sur le sujet. Dans un magazine, c'est pas possible. Il faudrait, quel que soit le sujet des dossiers que nous choisirons, et ça mérite des livres. Il y a des gens qui passent leur vie à travailler sur le sujet. Donc là, il a bien fallu faire des focus sur différents points. Donc nous commençons par un récapitulatif, si vous voulez, un petit historique du comment, du pourquoi du mur, et puis un article qui va nous décrire l'évolution, je dirais, technique du mur. C'est-à-dire que ça a commencé avec trois planches, deux barbelés. Oui, alors ça, pour justement, finir. Je crois que c'est une démarche tout à fait originale, parce que on garde en esprit évidemment la dimension politique, diplomatique, il y a également une dimension géopolitique, si vous de l'affaire, mais il y a l'objet, en quelque sorte. L'objet mur, qui est ce mur de la honte, à quoi physiquement ressemblait ce mur, voilà, qui avait été ainsi érigé. Au fil des décennies, il s'est amélioré, si je puis dire, pour empêcher la fuite vers l'Ouest. Donc c'est un article que moi je trouve passionnant, parce que ça nous montre finalement cette volonté vraiment d'enfermement de la population. Ensuite, nous avons un article, je vais reprendre le sommaire, parce que un article donc sur les troupes politisées, qui gardaient alors non seulement le mur, mais également tout le rideau de fer entre la RDA et la RFA. C'est les Grenztruppen. Les Grenztruppen. Et puis ensuite, un article que nous avons appelé la Prusse Rouge. Qui nous explique comment finalement les autorités est-allemandes ont récupéré, après la chute du Troisième Reich, pratiquement toutes les structures, que ce soit les organisations de jeunesse, les structures de renseignement de l'armée elle-même. Et puis c'est frappant, par exemple, lorsqu'on voit les uniformes de l'armée populaire est-allemande. Les rituels militaires qui sont restés quasiment les mêmes. Le serment que prêtaient la façon de défiler, donc on est resté, si vous voulez, sur une armée très très prussienne, alors que la Bundeswehr, elle, a été une armée américanisée. On leur a fait jouer du jazz, on leur faire jouer des airs allemands, enfin voilà. Donc il y a eu vraiment une vraie rupture du côté de l'Ouest, alors que du côté de l'Est, il y a plutôt eu une continuité. C'est là que s'est trouvé le conservatoire, quelque part, de la tradition militaire prussienne, de la tradition militaire allemande, qui était naturellement prussienne.
Alors ensuite, un article sur les derniers jours de, la RDA. Écrit justement par, Thierry Buron, qui était lui sur place, d'ailleurs, lorsque le mur s'est écroulé. Et ce qui est absolument, je dirais absolument remarquable, c'est que quelques semaines avant le mur, avant la chute du mur, pardon, les dirigeants n'en avaient a priori strictement aucune idée. Oui. On les voit parader lors de l'anniversaire du 40e, anniversaire, pardon, de la fondation de la RDA. Ils sont là sur leur tribune. Tous les dictateurs de l'Europe de l'Est sont là. Et alors qu'un mois plus tard, tout va s'effondrer. On peut dire aussi que les Occidentaux ont été tout autant surpris. Tout le monde a été, surpris. La place de l'imprévu dans l'histoire. Cette frontière austro-hongroise qui s'ouvre, les Allemands de l'Est en vacances en Hongrie qui passent massivement à l'Ouest, et ça enclenche c'est un processus qui était complètement inattendu. Et c'est bien la preuve d'ailleurs qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, et que voilà, là ce sont vraiment les hommes qui ont fait, l'histoire. Bien sûr, et c'est une excellente leçon pour aujourd'hui. On a eu d'autres exemples depuis, l'évolution récente de la Russie, par exemple, n'est pas tout à fait ce qu'on pouvait imaginer il y a une trentaine d'années. Donc je vais continuer sur le dossier. Donc l'article de François-Georges Dreyfus dont nous avons déjà parlé. Et puis un article sur ce phénomène qui est l'ostalgie. Oui, l'ostalgie qui est la nostalgie de l'Allemagne de l'Est. Ouais. Donc c'est une notion qui recouvre deux pendant, si vous voulez. D'une part, il y a une mode qui est la mode vintage que l'on a chez nous, où on est attaché finalement à retrouver les objets que l'on pouvait avoir nous dans notre enfance ou dans notre adolescence. Et donc ça, c'est valable également chez les Allemands de l'Est. Mais il y a également cette revendication que je qualifierais presque d'identitaire, si vous voulez, de l'Allemagne de l'Est. Donc là, il y a une analyse assez fine de David Tarot sur le sujet. L'Allemagne de l'Est qui a eu le sentiment d'avoir été assimilée à l'Allemagne réunifiée d'une manière un peu brutale. Un peu brutale, ça s'est fait brutalement, mais bon. Parce que... Mais alors en même temps, ça a coûté beaucoup d'argent. Ça a coûté beaucoup d'argent à l'Allemagne de l'Ouest, mais il en reste quelque chose. Et donc nous finissons ce dossier par un portfolio. C'est ça, de 6 pages avec des photos, certaines sont assez inédites, notamment ces photos d'Allemands de l'Est fuyant vraiment au dernier moment, au moment où les maçons commencent à monter le mur. Oui, oui, oui. Bon, il y a la fameuse photo de Konrad Schumann qui saute par-dessus le mur. Bon, celle-ci, tout le monde la connaît. Et puis des photos d'évasion. Voilà, donc pour clore ce dossier sur... Le mur de Berlin. Que nous proposez-vous dans ce premier numéro en dehors du dossier anniversaire? Alors, en dehors anniversaire du dossier, comme je vous le disais, il y a ce dossier central qui est composé d'une trentaine, presque une trentaine de pages. Sinon, autour de là, donc, il y a trois autres articles. Un article de Daniel de Montplaisir sur les guerres franco-anglaises. Il a écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « Quand le lys terrassait la rose ». D'ailleurs, je crois qu'il est passé sur votre antenne pour en parler. Et donc là, il nous explique que finalement, sur les 700 ans de guerre que l'on a pu avoir, la France a remporté beaucoup plus de victoires contre l'Angleterre que le contraire. Oui. Et que malheureusement, l'histoire n'a retenu pratiquement que les défaites, Les défaites françaises. Poitiers et Azincourt. Alors qu'on ne connaît pas Castillon ou d'autres batailles. Ensuite, un article de Frédéric Deprinck sur l'épuration. Oui. Ben, principalement, si vous voulez, sur les tondus de la Libération. Et avec un éclairage assez... Sujet devenu classique, mais un éclairage assez intéressant, qui est celui, finalement, de la réappropriation du corps des femmes. Qui nous explique que cette société française a été, durant les 4 années d'occupation, dévirilisée, et que l'homme français, à la Libération, va finalement vouloir se réapproprier le corps de ces femmes qui, elles, ont pu se livrer
à l'ennemi. Donc il y a vraiment, ce sont presque des victimes expiatoires. Si c'est vous ça, voilà, il y a une volonté de vengeance. Volonté de vengeance et également de, un autre paragraphe consacré à ce qu'ils font subir au corps de l'ennemi. Oui, oui, bien sans sûr. Aucun respect du corps de l'ennemi tué au combat. C'était, comme l'avait dit un auteur qui nous avait donné un ouvrage sur la question, c'était un carnaval moche. Oui, exactement. Je crois que d'ailleurs la phrase… Cet épisode de la phrase est citée dans l'article. Mmh. Et c'est vrai qu'on a assisté à des scènes d'hystérie collective absolument hallucinantes. Il y a pas mal de photos assez inédites également, où on voit une scène de… Alors, je ne sais pas, il y a un homme en uniforme, mais ça doit être un facteur ou je ne sais quoi, ou un gardien de prison. Ils sont en train de… Je ne sais pas si la caméra… Je peux montrer la caméra. Oui, oui. Ils sont en train de piétiner véritablement une veste d'officier ou de soldat allemand. Enfin, voilà. Donc là, on est véritablement dans le carnaval moche. Effectivement, l'expression est bonne. Et ensuite, un article d'un certain Philippe Conrad qui nous parle de la Landalousse ou bien le mythe du vivre ensemble. Alors, je n'ai pas résumé l'article, je vais vous laisser le faire peut-être. Ce qui correspondait en fait à la tenue du colloque qui a eu lieu le 6 octobre dernier sur ce thème, colloque qui réunissait des spécialistes notamment espagnols de la question, oui. Afin d'en finir avec la lecture un peu niaise est faite. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites vraiment le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. De l'Andalousse médiévale. Oui, le mythe du vivre, en sous-titre, nous avons mis le mythe du vivre ensemble. Voilà, on instrumentalise cette histoire-là pour en faire un argument en faveur de la prétendue société multiculturelle que l'on veut nous vendre aujourd'hui. Mais le problème, c'est que l'histoire a la vie dure et quand on va regarder les choses d'un peu plus près, eh bien, on découvre ce qu'a été la réalité. Oui, et finalement, vous comparez la vie là-bas à un système d'apartheid comme on a pu le connaître. Oui, bien sûr, c'est ce que le terme a été utilisé par Séraphine Van Roel dans sa Genèse du mythe d'Al-Andalus, là, qui a remporté un vif succès en France, d'ailleurs, ce qui était un peu inattendu, je signale, aux éditions de l'Artilleur, parce qu'effectivement, la dimitude correspondait à une situation dans laquelle les minorités chrétiennes et juives étaient dominées, évidemment, par les musulmans. Et là, on a une bibliographie aujourd'hui très abondante et tout à fait récente sur la question. On a eu en un an en France trois traductions d'ouvrages sur la question. Une relecture de l'histoire. En Espagne, il y a une relecture de l'histoire, mais il y a un débat aussi, hein, parce qu'en Espagne, il y a aussi certains qui veulent qu'on rende la cathédrale de Cordoue aux musulmans sous prétexte qu'elle fut un temps. Redemander Sainte-Sophie. C'est une absurdité évidemment totale, oui. Donc pour les trois articles, sinon une tribune que vous signez, Philippe Roy, nous vous remercions de participation à ce numéro. Quelques pages d'actualité, parce que l'histoire a aussi une actualité, hein, ça peut être des découvertes, des expositions, tout ce genre de choses. Une page consacrée, là ce sont des rubriques récurrentes que les lecteurs retrouveront tous les trimestres. Une rubrique sur une exposition, un point sur une exposition, je traite de l'exposition Les canons de l'élégance qui se tient au musée de l'armée, une très belle exposition. Un article sur un lieu, nous allons présenter un lieu, la rubrique est intitulée « Mémoire des lieux » et nous commençons avec Delphes, le nombril du monde. Un lieu où souffle l'esprit, selon l'expression consacrée. Quelques pages d'entretien, un entretien un peu trop court à mon sens, mais là le chemin de fer a été un peu bousculé, donc de Michel Fauquier, qui a écrit son livre « Aux sources de l'Europe », que vous avez reçu également sur TV Liberté. Un portrait. Chaque trimestre, nous ferons un portrait. D'un personnage peut-être controversé, c'est amusant d'avoir d'autres éclairages. Donc là, dans le cas, c'est Mikhail Gorbatchev, hein, qui était adulé en Occident et finalement détesté en Russie. Et puis, après le dossier, on revient sur donc les rubriques récurrentes. Une histoire de la politique, où on nous parle du CNIP. Voilà, oui, ça c'est. Le CNIP, j'ai remarqué. Je dois dire que le CNIP, lorsqu'on m'a proposé cet article.
Voilà, est-ce que c'est très vendeur le CNIP pour un premier numéro? C'est légitime. Mais finalement, c'est un parti qui a pesé Vraiment la pépinière de la cinquième. Au début des années 50. Hein, de la cinquième République. Et comme me disait l'auteur, vous avez la chance de tomber sur moi. Je suis le spécialiste mondial du CNIP. C'est normal. Oui. Je suis le seul. Donc c'est Gilles Richard qui a signé cet article. Et puis après, on va rentrer dans des rubriques un peu plus pas légères, mais l'autopsie d'une bataille, c'est-à-dire que Frédéric Ledouble, l'auteur, lui va nous décortiquer. La France a été un champ de bataille absolument invraisemblable en toute l'histoire. Donc décortiquer des petites batailles en précision. On va éviter de faire Verdun ou Azincourt, mais vraiment des batailles méconnues. Et puis une autopsie de tableau également. Un tableau où on présente vraiment d'une manière très complète, très graphique, très graphique un tableau. Comment lire ce tableau? Comment lire un tableau d'histoire? Voilà, donc là, le premier tableau, c'est la visite du président Félix Faure aux manœuvres alpines d'août 1897, qui est un tableau qui est exposé à Orange. Et puis nous finissons avec une rubrique cinéma. Et enfin, pour finir un petit peu, je dirais, d'une manière, manière de détente, Pierre Delobier, que je crois que tes spectateurs connaissent, qui nous fait part de son abominable Histoire de France, une manière un peu iconoclaste de raconter l'histoire. – Très bien, merci beaucoup Guillaume Fiquet de cette présentation de la revue d'histoire européenne, qui est en kiosque donc à partir… – Cette semaine, les auditeurs vont pouvoir trouver à partir du 5, on est sûr que c'est la première mise en place, si vous voulez. Du 5 novembre. Voilà. À partir du 5 novembre, c'est bon. Et puis abonnement sur le site librairie-ducollectionneur.com. Et je souhaite évidemment longue vie à cette nouvelle publication. Merci. Ô combien nécessaire par les temps qui courent. Le 14 septembre dernier, c'était l'anniversaire, les 250 ans de la naissance d'Alexandre von Humboldt, un savant allemand de génie, aujourd'hui peu connu en France, où pourtant il a séjourné longuement et surtout il a beaucoup, profondément aimé notre pays. Alexander von Humboldt est un scientifique surdoué, un esprit polyvalent, curieux de tout, explorateur de renom, tout à la fois géographe, géologue, botaniste, océanographe, démographe, volcanologue, écrivain voyageur, météorologue, zoologiste, naturaliste, ornithologue, minéralogiste, astronome, climatologue, ethnologue. Oui, Alexander von Humboldt était tout cela à la fois, représentant on ne peut mieux cette sorte de scientifique prolifique et génial que l'Europe peut produire. Pourtant, vous allez voir que le petit Alexander n'a pas révélé tout de suite son génie. Il est né le 14 septembre 1769 en Prusse, à Berlin. Il est issu d'une famille d'aristocrates, fils d'un officier prussien proche du pouvoir royal, et il a un frère, Wilhelm, qui est de 2 ans son aîné. Wilhelm, lui, va révéler très tôt des capacités intellectuelles brillantes. Il va devenir plus tard un haut fonctionnaire, un diplomate et même ministre de la Prusse. Il sera aussi linguiste et philosophe. C'est lui, c'est ce brillant personnage qui fonda l'université de Berlin. Les deux frères vont rester très proches, au moins jusqu'au mariage de Wilhelm, mais ne vont pas suivre la même carrière. Ils ont chacun, dans des domaines différents, un brillant parcours qui est dû non seulement à leur intelligence, mais également à l'éducation qu'ils ont reçue. En effet, leurs parents sont, comme nombre d'aristocrates cultivés en Europe, au XVIIIe siècle, des adeptes des Lumières, die Aufklärung. En particulier, leur père, dont la noblesse familiale est relativement récente, tandis que la famille maternelle est d'origine française, descendante de huguenots. L'esprit familial va toujours osciller entre un côté verni de Junkers, cette vieille aristocratie terrienne et militaire de Prusse, et un fond bourgeois, on va dire, ou plus ouvert aux nouveautés, ou en tout cas où le poids de la tradition est moins lourd. On va veiller à donner aux deux frères une éducation soignée, mais une éducation moderne, selon les préceptes de Jean-Jacques Rousseau. Dans le château familial de Tegel, à Berlin, ils apprennent les mathématiques, le latin, le grec, l'allemand évidemment, le français, la géographie.
Le père va choisir des précepteurs de qualité qui auront une grande influence sur les deux frères, et en particulier sur Alexander, comme Joachim Campe et surtout Gottlob Johann von Kundt. Je vous disais qu'Alexander von Humboldt avait eu des débuts difficiles. Il va se révéler effectivement moins scolaire, comme on dirait aujourd'hui, que son grand frère, mais il est très vite passionné par tout ce qui concerne l'histoire naturelle. Pourtant, il a du mal à assimiler, hein, l'apprentissage est toujours laborieux, mais il équilibre cela par un don d'observation, bientôt doublé par un esprit d'analyse et une forme d'intuition. Peut-être que ces difficultés viennent aussi du fait qu'il suit les mêmes cours que son frère qui a 2 ans de plus. En tout cas, les témoignages du précepteur, hein, de Johann von Kundt, vont dans ce sens. Mais Alexander von Humboldt souffre également d'une infériorité physique par rapport à la santé de fer de son frère. Il est plutôt, lui, maladif et chétif. On verra plus loin que sa constitution d'adulte sera tout à fait différente et qu'au demeurant, Alexander von Humboldt sera plutôt bel homme. À la mort prématurée de leur père, Alexander n'a que 9 ans et c'est désormais le précepteur von Kundt qui va tenir une plus grande place dans l'éducation des enfants. Pour le moment, on va orienter Alexander vers des études et une carrière dans l'administration, hein, plutôt des études d'économie, beaucoup moins prestigieuses que les études de son frère. Ils partent néanmoins ensemble en 1787 à l'université de Frankfurt sur l'Oder, et c'est là que Alexander va se lier d'amitié avec un scientifique, Carl Ludwig Willdenow, qui l'initie à la botanique, une science pour laquelle Alexander von Humboldt va avoir une véritable passion. En 1789, ils vont séjourner à l'université de Göttingen. Là, on voit que la formation d'Alexander est très éclectique. Il va suivre des cours de physique, des cours d'anatomie et de zoologie. Il va également fréquenter les salons de Göttingen et c'est là qu'il va faire la connaissance du naturaliste Georg Forster, avec lequel il voyage en Angleterre et en France en 1790. C'est le début de la passion pour les voyages d'Alexander, une passion qui ne fait que commencer. Alors il va arriver en France, comme vous dites, en 1790, c'est évidemment la période de l'effervescence révolutionnaire, et sur le plan politique et conformément à l'éducation qu'il a reçue, Alexander von Humboldt va accueillir les idées de la révolution avec un enthousiasme et une naïveté, d'un esprit seulement préoccupé par l'observation scientifique. De retour en Allemagne, il se spécialise en géologie et en 1791, il intègre l'école des mines de Freiberg et entame une carrière dans les mines jusqu'à devenir commandant général des mines prussiennes. On constate que tout au long de sa jeunesse, Alexander va toujours étudier, apprendre, accumuler les connaissances scientifiques dans tous les domaines. Il expérimente, il montre une curiosité insatiable. À son poste de haut fonctionnaire des mines, il ne va pas se contenter de diriger ses mines de son bureau de Berlin. Il est toujours en déplacement dans les bassins miniers et il prend même l'initiative de donner des cours, de fonder une espèce de petite école dans laquelle il donne des cours gratuitement aux mineurs pour leur apprendre à distinguer les roches de valeur, des roches de valeur d'un minerai sans intérêt. Il veut, comme il l'écrit, former des mineurs compétents, leur insuffler dès l'enfance l'amour de notre métier et le sentiment de la dignité du mineur. Parallèlement, il s'attache à améliorer la sécurité des mineurs et invente pour cela une lampe spéciale, un appareil respiratoire et puis une sorte de masque à gaz. Pendant la même période, comme il est proche du pouvoir prussien, qu'il est francophile et puis qu'il parle français, il participe aussi à quelques missions diplomatiques entre la Prusse et la France en 1795 et encore une fois, parallèlement, on voit qu'il n'arrête pas, il ne cesse de publier un grand nombre de travaux scientifiques en minéralogie, en chimie et en botanique. Pourtant, Alexander n'est pas comblé par toutes ses activités. Il veut être, il le dit, utile à l'humanité. Il finit par donner sa démission, malgré une promotion qui lui est offerte, et se consacre à nouveau à ses expériences. Il travaille en particulier sur les effets de l'électricité, en menant ses expériences non seulement sur des animaux, mais également sur lui-même.
C'est à la mort de sa mère, en 1796, hein, cette année est une année charnière pour lui, qu'il va vraiment commencer à vivre pour ce qu'il aime. Il n'a plus d'attache familiale et il peut profiter de l'héritage. Profiter, c'est beaucoup dire, car il va utiliser cet argent essentiellement, ou même uniquement, oui, pour assouvir sa passion. On peut dire qu'Alexander von Humboldt s'est ruiné pour la science en finançant ses nombreux voyages et en acquérant des instruments de mesure extrêmement chers, enfin, pour financer toutes ses expériences. Alors on va le voir en 1797 et 1798 dans le Tyrol pour y faire des observations scientifiques en compagnie d'un autre scientifique du nom de von Bohr. C'est là qu'il met au point une méthode de relevé météorologique qui va être très rapidement utilisée dans le monde entier. Ensuite on le voit à Salzbourg, il fréquente toujours les milieux scientifiques, des scientifiques de tous les domaines et il enrichit ses connaissances. Ensuite, il rencontre un aristocrate excentrique, un aristocrate anglais, Lord Bristol, qui lui propose de partir en Égypte avec lui. Seulement, l'expédition est annulée à cause de, évidemment, l'expédition de Bonaparte en Égypte. Lord Bristol est anglais. Humboldt va s'installer à Paris en 1798. Il fait la connaissance et va fréquenter les plus grands savants de l'époque. Je vais vous citer Cuvier, Jussieu, Chaptal, Thénard, Vauquelin, Laplace, Lamarck, je pourrais continuer. On voit Humboldt travailler au Jardin des Plantes, évidemment à l'Observatoire de Paris, mais également à l'Institut de France. Il fréquente aussi les salons parisiens où il fait la connaissance du grand navigateur Bougainville qui préparait un voyage autour du monde. Bientôt, c'est le directoire qui voulait financer ce voyage. Bougainville va être remplacé par Baudin, un autre navigateur mais beaucoup plus jeune, mais le projet ne va pas se faire à cause encore une fois de la politique extérieure et de l'entrée en guerre contre l'Autriche. À l'occasion de ce projet de voyage, il va faire une rencontre déterminante pour lui en la personne d'Aimé Goujot, dit Bonplan, qui est un jeune médecin, un chirurgien exactement, qui est réputé excellent naturaliste et avec lequel il va nouer une amitié qui va durer jusqu'à leur mort. Bonplan devait aussi voyager, partir avec l'expédition de Baudin et de ce fait, Humboldt et Bonplan vont décider de rejoindre l'expédition d'Égypte et la cohorte de savants qui l'accompagnent. Ils attendent le bateau à Marseille, hein, le bateau qui devait les emmener en Afrique. Ils vont l'attendre pendant 2 mois, le bateau ne va jamais arriver. Alors les deux amis décident de passer par l'Espagne pour atteindre l'Afrique. Ils se rendent en Espagne pratiquement pendant tout le trajet à pied, hein, c'est, vous voyez, on est au 19e. Il est arrivé dans la région de Valence, Humboldt observe, étudie le pays et exprime son ravissement devant la luxuriance des campagnes. Il écrit « On croit n'avoir jamais vu ni arbres ni feuilles lorsqu'on aperçoit ces palmiers, ces dattiers, ces serratonias, ces mauves ». Ils arrivent à Madrid en 1799, ayant définitivement finalement oublié, renoncé à l'Afrique, mais pas à voyager. Mais je vous raconterai ça la prochaine fois.